Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve une nouvelle fois sur Hokolife. Alors j'ai un tout petit peu joué en off, mais vraiment pas longtemps, histoire de me faire un tout petit peu d'argent. Et j'ai réussi à fabriquer quelque chose, je vais aller vous le montrer. Ah, ça y est, la petite phrase, elle est en français, il y a une toute petite mise à jour, je crois. Alors, je crois qu'il va me dire de continuer à m'occuper des gens, oui. On va faire plusieurs choses aujourd'hui, on va aller déjà voir l'agent immobilier. Je voudrais voir le prix qu'il me reprend pour construire une autre maison. Parce que cette fois, j'aimerais bien m'offrir à moi une maison. Nouvelle maison. J'ai toujours des blocs de pierre et des planches à faire. On va aller voir ce que je peux faire. Il me faudrait donc 3 blocs de pierre et 10 planches. Ici, on n'a rien de nouveau au niveau des couleurs, je crois. Alors, je sais plus s'il me reste des pierres, d'ailleurs, dans mon inventaire. Un petit peu. Donc ça va, je peux aller faire mes blocs de pierre tranquillement. J'ai ce qu'il faut. Et on va aller ramasser quelque chose que j'ai mis en place. En off, je suis désolée. Ah bah non, je rentre dans l'atelier, je suis pas comme ça. Bon, du coup, je vais faire mes briques, comme ça c'est fait. Il m'en faut 3, on a dit. Et les planches, il faudrait que j'en fasse 5. On est tout bon. Alors, on va faire une peinture. Alors, j'ai brun clair, brun foncé. Là, il me fallait... Attendez, je vais aller regarder avec quelque chose. C'est dans les besoins. Alors, lui, il faut de la peinture brun clair en 5 exemplaires. Et lui, de Kia Bio. Ok. Peinture brun clair. En 5 exemplaires. C'est absolument pas faisable. Je peux en faire que 3 pour l'instant. Donc je vais pas faire ça. Je vais pas utiliser ce que j'ai pour ici. Par contre, je vais faire un brun foncé pour moi. Ah mince, ça prend aussi les mêmes herbes. Bah tant pis. J'en ai besoin. Je vais vous montrer pourquoi. Et après, on ira acheter la maison. Regardez. Bon, c'est pas super joli, hein. C'est le premier que j'ai fait, mais j'ai fait un petit pont. Alors, on le ramasse, on le range. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le ramasser et le remettre où on veut. Alors, on va voir si on arrive à le mettre en peinture. C'est déjà ça la première chose que je veux faire. Hop. Modifier. Je voudrais juste voir si on peut le mettre en peinture, moi. Peinture. Eh ben nickel, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. On est tout bon. Ben, on peut sauvegarder. Ouais. On va le remettre en place. Il sera peut-être plus joli en foncé quand même. Hein. Oh, attendez, les papillons rouges, là, ils se vendent bien. Faut que je récupère. Parce que si on refait la maison encore une fois aujourd'hui, il va nous falloir sûrement des sous pour racheter des plans ou autre chose. Alors, on va se mettre par ici. Et on va prendre notre pont qui est là. Et on le fait pivoter. Voilà! On a notre petit pont. Donc ici de l'autre côté, il y avait des pierres que j'ai cassées déjà. Il y a des arbres. Et j'aimerais bien, moi, dans l'idée, installer une maison ici. Peut-être. Ou alors on installait une près de la plage, je ne sais pas si c'est faisable. Alors du coup, c'est ce qu'on va aller voir. Donc là, on a déjà vu, bon, pour peindre les objets, c'est moins compliqué que le reste. On va peut-être aller faire un tour chez les villageois avant. Oh, le pauvre, il me fait de la peine avec son lit. Alors, je lui ai refait une petite lampe et j'ai rendu la lampe que j'avais volée à son propriétaire. Mes excuses, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. C'est pas mal, hein? Voilà. On a un petit papillon qui vole, là. Alors, j'avais changé la couleur de la façade l'autre jour. D'accord. Ils ont des maps super chouettes, eux, hein? Alors,
Alors lui, je lui ai déplacé ça pour éviter d'être tout le temps coincé ici parce que ça me saoulait. Alors j'ai déplacé 2-3 meubles pour être un peu plus à l'aise dans sa maison parce que je me retrouvais bloquée, j'étais obligée de dormir pour pouvoir sortir. Ce qui est un petit peu bizarre dans le principe. On va filer vers la plage quand même. Je vais aller voir si éventuellement il y a des rochers, non? Des coquillages. Par contre, on a plein de pierres à casser là-bas. Et on va tester pour voir où on peut mettre les maisons à fabriquer. Parce qu'ici, il y a des étendues d'herbe. Alors, je sais pas du coup si je peux les mettre dessus. Si je peux carrément les poser sur la plage. Vous voyez, genre ici. Je vois pas trop ce qui empêcherait, mais on sait jamais. On va regarder tout ça. Je suis toujours dans la grosse phase de découverte. Hein. Pour l'instant, je n'ai aucune maîtrise du jeu. Mais il y a des choses qui rentrent plus facilement qu'avant. Alors, j'ai un habitant qui veut du cabillaud, mais j'en ai jamais pêché. Je suppose que peut-être que je dois le faire avec des appâts. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas trouvé comment les faire encore. Récupère du papillon, hein. Faut faire des sous. Alors, voilà. On va aller voir si on peut la mettre de l'autre côté ici ou si je peux la mettre à la plage, la maison. Histoire de donner un petit peu plus vie à cet endroit. Et il me tarde de voir ce qu'on aura comme prochain marchand qui s'installera au village, tout simplement. Alors, attendez. Je vais vendre les papillons, déjà. Ah, on n'a pas gardé les objets du jour. Ah, ils vendent cher, les papillons, là. Où suis-je? Là. Alors, on a une lampe de bureau. Oh, ça, c'est chou. Oh, j'achète. J'aime beaucoup. Regardez. Oh, ça aussi, j'achète. Ça, je voudrais dans Animal Crossing. Le truc, c'est que je les achète, mais j'ai pas forcément de place pour les mettre. C'est pas grave. On va se débrouiller. Et là, on a des sols aujourd'hui. Regardez. Dalle crème. Et c'est super sympa ce qu'ils font. Allez, on y va. Nouvelle maison. On a ce qu'il faut. Alors on avait vu qu'il y en avait d'autres, hein, vous vous rappelez. Par contre, je peux encore pas fabriquer les objets, donc on peut pas les prendre. Super, où veux-tu construire? Suis-moi. Alors attendez, avant d'aller là, je veux aller voir s'il me suit à la plage. Pas forcément sûr que j'installerai la maison là-bas si ça marche, mais au moins on aura la réponse. Quoi qu'il y vient, donc est-ce que ça marche? Ah, faut que j'attende qu'il vienne. Ah bah d'ailleurs qu'on n'est pas gagné, hein. Ah, faut que j'aille lui parler, je suis bête. On peut. Et bien, vous savez qu'on va le faire. Là, je peux pas reculer plus. Je sais pas si on le fait ou pas. Ouais. Merci pour la confirmation, Zabou. En commençant tout de suite, on devrait avoir fini dans quelques jours. Une fois la maison bâtie, tu devras fournir quelques meubles de base pour le nouvel habitant, pour que le nouvel habitant puisse s'installer. Consulte le panneau devant la maison pour voir ce dont tu as besoin. Je vais superviser la construction, je ne serai donc plus au bureau jusqu'à la fin des travaux. Merci. Bonne journée. Alors je pense que ici ça sera ma maison. Parce que j'en ai marre de dormir là-bas, alors ça serait cool d'avoir ma maison ici. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, les petits objets que j'ai ramassés,
que j'ai acheté, pardon, pour la maison, le pot de fleurs, etc., je vais aller les mettre dans la chambre d'hôtel. Et on récupérera tout ça avant de choisir la maison. Attendez, là, il y a un super papillon coincé dans le mur. Papillon ? T'es trop coincé dans le mur à ce point ? Ah, t'es ressorti. Du coup, là, on aura nos villageois. Et la prochaine... Alors, je sais pas à combien on est limité. En même temps, j'ai pas forcément envie de le savoir. J'ai envie de le découvrir par moi-même. La prochaine maison, je pense que je la mettrai ici, de l'autre côté du pont, dans un angle. Alors par contre, j'ai cherché, j'ai essayé de gruger un peu le jeu en faisant une planche pour monter ici, ça ne marche pas. Alors je pense qu'il y a réellement des escaliers ou quelque chose à faire, mais pour l'instant, j'ai pas de plan qui s'y rapporte. Alors ben, tant pis, on va devoir attendre. J'ai envie de tout savoir, mais en même temps, c'est partie du jeu que d'attendre et de découvrir au fur et à mesure. Là, j'ai volontairement pas cueilli les fleurs pour que ça reste un petit coin sympa. Avec ma petite chaise, regardez. Hop! Est-ce qu'on n'est pas chou comme ça, franchement? Moi, je trouve que si. Hein. En plus, attendez, je crois qu'on peut zoomer une fois qu'on est dessus. On peut plus zoomer, si. On est pas mal, là, non? Allez, on se lève. Je recule la caméra. On a un plan plus large. Voilà, du coup, on a installé une maison. Et oui, effectivement, je vous cache pas, je pense que je vais la prendre pour moi. Or, normalement, il reste un habitant qui attend à ce qu'on à être invité. J'ai pas forcément envie de passer ma vie ici. Vous pouvez le comprendre, hein. Hop, et j'avais acheté quoi? C'était quoi le deuxième truc? Ah, du vin. Voilà, pour l'instant, je pose ça ici. Je pense que du coup, ouais, je pourrais tout récupérer. La commode aussi, futon, le panier. Je pense que je pourrais tout récupérer. Je mettrai tout dans mes poches avant qu'on décide de m'installer dans ma maison. Et peut-être que comme ça, je pourrais dormir avec tout ça. Alors, je ne sais pas si le futon, on peut le combiner avec le lit. Ce serait peut-être la solution pour avoir quelque chose dessus. On verra ça en temps et en heure. En tout cas, je suis super contente. Il y a des petites fleurs trop mignonnes. Moi, je voudrais bien les mêmes plantes. Voyez, regardez. Les jardinières, là, toutes ces décorations de fleurs. Ça me manque cruellement dans Animal Crossing. Attention, je ne crache pas dessus. Animal Crossing est le jeu de ma vie. Mais il y a plein de petites choses qui sont dans Ecolife et qui devraient être dans Animal Crossing. Comme ces jardinières, il y a plein de choses à faire. Plein de possibilités en plus. Et c'est dommage, je trouve, de pas l'avoir. Hein. De pas avoir ses choix à faire. Alors, est-ce que la vision de ce que fait la concurrence pourrait donner envie? Je ne sais pas. Mais c'est bien dommage. Pareil, la position. Bon, y a plein de choses. Je pense que je vais vous préparer, ou alors vous l'aurez peut-être vu d'ici là, une vidéo un petit peu en parallèle des deux jeux. Qui n'est là ni pour descendre, ni pour encenser l'un ou l'autre. Mais vraiment pour parler des choses que je retiens dans les deux, en fait, tout simplement. Hein. Parce que pour moi, on ne peut pas comparer ce jeu à Animal Crossing, c'est pas possible. Animal Crossing reste Animal Crossing, comme Ecolife a son propre style. Hein. Alors du coup, on a fait quoi? Alors, les missions pour les villageois maintenant. Il faut de la peinture brun clair. Et lui, il veut du cabillaud. Le cabillaud, j'ai regardé. Il se trouve en mer. Le truc, c'est que j'en ai jamais pêché. Alors, je pense que c'est avec des appâts, mais je ne sais pas comment on les attrape. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on les fabrique. Alors, lui, il faut du cabillaud. J'aurais jamais arrivé à lui en faire 3. Hein. C'est pas possible, parce que j'en ai pas. La peinture brun clair, je peux en faire 2 pour l'instant. Il lui en faut combien? 5. C'est peut-être faisable. Peut-être. Mais on le fera pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors, on va creuser un petit peu, parce que je crois que c'est dans le sol. J'avais trouvé des vers, ben voilà. Et que je me demande si ces vers-là, on peut les utiliser éventuellement pour la pêche.
Alors j'en ai récupéré un petit peu. Vous savez quoi, dans celui du milieu, on va planter un arbre. On va reboucher tous les autres trous. On va essayer de parler à tout le monde en ayant les esticots sur nous, les vers sur nous, pour voir si quelqu'un va nous dire qu'on peut s'en servir. Alors, est-ce que si je prends la canne à pêche dans la main, dans le menu, je peux combiner quelque chose? Vert. Ah, ça me le jette par terre. C'était très utile. On va aller voir à l'intérieur de l'atelier, voir si éventuellement elle ne nous propose pas quelque chose si elle le détecte dans notre inventaire. Oh, on a toujours les plans. Là, c'est tous les tissus. Je vais acheter la brique. Parce que du coup, on a ce qu'il faut, de l'argile, on en a. Là, on n'a pas de boîte à cajou pour l'instant, ça serait un peu bête de l'utiliser. On n'a rien de nouveau, par contre. Et là, il faudra plein de teintures, vous avez vu, pour faire les différents tissus. Là, j'ai acheté des choses, ces coussins, là. C'est pour mettre sur les éléments. Du coup, j'ai pas été voir le dernier onglet, pardon, je suis partie trop vite. Bah là, c'est que des... C'est que des pinceaux différents. On est d'accord, à l'atelier, je ne peux rien faire. Je peux faire des briques. J'ai plus beaucoup de charbon, donc pour l'instant, on va s'en passer. Voilà, j'ai fait deux coussins. Je vais refaire deux tissus. Voilà. J'ai refait tout ça. On peut faire du vert aussi, mais pour l'instant, pas besoin. Donc, elle me donne pas. Je vais aller voir le monsieur de la plage. Celui qui me donne les récompenses pour les poissons. Peut-être que s'il détecte des vers sur moi. Parce qu'il a une rubrique à pas. Alors, est-ce qu'il m'expliquerait quelque chose? Je sais pas. On va aller voir ça. Bonjour voisin. Oups. Il déchire tous ses pantalons. Ah ouais, je sais. Ça, c'est ma maison en plus. C'est trop classe. Parce que j'ai vu des poissons l'autre jour et j'ai eu du mal. Ils ont jamais voulu mordre. Je me suis dit, est-ce qu'il faut pas que j'ai un appât? Parce que là, j'ai régulièrement des brèmes, mais c'est tout, quoi. Un bar, c'est déjà mieux. Hein. Alors, attendez. Il était par là, je crois qu'on l'a vu. En plus. L'appât. Ah oui, l'appât. Eh bien, il dépend de l'espèce de poisson que tu veux pêcher. Tu peux en fabriquer à partir d'ingrédients et l'attacher à ta canne à pêche depuis ton sac à dos. En fonction de l'appât au bout de ta ligne, tu attireras différentes espèces de poissons. Et c'est... Oups. C'est amusant de trouver la bonne combinaison. Oui, mais encore. À partir de mon sac à dos. Donc là, il n'y a rien en fait. On est d'accord. Ma canne à pêche. Non, ça les lâche par terre. Je voulais voir s'il n'y avait pas une possibilité de faire glisser quelque part ou... À mon avis, les vers ont vraiment un rapport avec ça, mais comment les utiliser, j'en sais rien du tout. C'est ici que j'avais des poissons et que je n'arrivais pas à les attraper. Vous voyez, dans le genre je te snob. Donc je me dis que le cabillaud, à mon avis, peut-être faire partie de cela.
Faites demi-tour, non? Vous avez pas envie. Bon, on verra bien le moment venu, hein. Peut-être que... Regardez, elle va ici. Ah non, il tourne celui-là. Oh non! Oh non! Mais non! Alors, prends les mêmes travers que dans Animal Crossing, ça va pas du tout. Là, t'es à l'ouest. Le snap, pas. Tourne, tourne, tourne. T'es costaud toi, mon petit père, hein? Ah, oh, une brème encore et toujours. Bah non! J'ai besoin de cabillaud pour la mission du monsieur. Allez, va dessus. Non, pas sur moi, sur l'hameçon. Poisson. Vous avez vu comment il snob mon truc? Ah, mais il en a rien à cirer, quoi. Troisième tentative, vous allez voir, il va passer à côté comme si de rien n'était. Hein. Donc il faut que je trouve. Je vais essayer avec la souris. Est-ce que je peux pas faire glisser ça là-dessus? Ou le glisser là-dedans? J'ai fait. Qu'ai-je fait? Je sais pas à quoi servent ces cases là en bas en fait. Bon. On va aller vendre le peu qu'on a attrapé. Et on va peut-être voir si on peut pas un petit peu... Je vais aller acheter des fleurs aussi. On va commencer à décorer un petit peu ici, autour de la maison. Alors je vais pas tout utiliser ce que je peux avoir, parce qu'il va forcément on va me demander des meubles. Et vous l'avez vu la dernière fois, c'est pas simple à faire et je vais peut-être pas à chaque fois les voler aux villageois, quoi. Après, hein. Vu que c'est moi qui travaille. Alors je sais pas si les meubles sont toujours les mêmes, on verra ça. Je pense du coup qu'on le verra dans une autre vidéo certainement parce que... Quoique, peut-être pas. Allez, on va vendre ce qu'on a sur nous. Ça va, on commence à avoir un peu d'argent qui rentre tranquillement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je vous mets en pause. Vous ne verrez rien. On se retrouve d'ici quelques secondes et moi, je finis du coup en off cette journée pour pas qu'on perde trop de temps. Et on se retrouve déjà le lendemain matin. On va aller voir si quelque chose a évolué. Alors, première chose, je vais aller voir s'il y a de nouvelles façades chez l'agent immobilier. Oh, celle-là, elle est chouette. 100. Fou. Ça, c'est toujours le même toit. J'ai bien de me l'acheter pour moi, celui-là. Ouais, allez. Mais pas comme ça. On va le garder, on l'utilisera sur notre maison quand elle sera là. On va voir où en sont les travaux, mais normalement, ils sont pas finis aujourd'hui. Hein. Ah, j'ai oublié d'aller à la boutique. Là, elle m'a fait un plaisir de m'acheter des trucs pour la maison qui va arriver, donc on va regarder ça. On va peut-être voir si on peut se faire un petit meuble. Ah, génial, il y a des fleurs, j'avais pris des... Des rouges la veille. Alors là, oh, regardez, génial.
Ah, on peut pas augmenter. Oh, mais il y a encore des fleurs. Je suis obligée d'acheter, moi. Diffuseur. Ah, ça, pour mettre dehors, ça peut être joli. Mais pour l'instant, ça coûte combien? Ouais, non, c'est trop cher. Et les sols. Ah, celui-là, il est sympa. Sol en parquet. Ah, vous savez quoi? C'est notre maison qu'on est en train de préparer. Hein. Donc, on va se faire plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger quelque chose dans ma petite chambre brunette en haut. On va aller faire un tour, voir comment ça se passe. Et à la limite, soit on se donne rendez-vous après, on va voir comment se déroulent les choses. Hop. Alors, je pose n'importe comment, hein, c'est juste pour pouvoir ne pas tout garder sur moi. Quelle est la deuxième chose que j'ai achetée? C'est ça, l'encens. Hop. Voilà. Je me suis fait un petit lampion aussi qu'on ramènera. Ça commence à rentrer. Hein. Donc, je pense là, on va faire les préparatifs de l'arrivée de la maison. Et la fois prochaine, on s'occupera clairement de la maison. Ah là, j'ai des fleurs qui ont poussé ici. Je vais les laisser un petit peu. Alors toi, tu n'aurais pas poussé par hasard. Non, par contre, ça m'aurait arrangé. Mais bon. Parce que j'en ai toujours réellement besoin de celle-ci. Alors, les fleurs qui ne sont pas devant des maisons, je vais les prendre. Les fleurs là, pour l'instant, je vais les laisser. On va essayer de se faire l'argent autrement qu'avec les fleurs qu'on a plantées. Histoire d'avoir quand même un joli village. Là, je peux ramasser, c'est pas bien grave. Pour l'instant, on n'a personne ici. On va aller voir ce que donne la construction de notre maison là-bas. Et du coup, j'ai préparé des petites graines à ramener. Ça va faire super beau, je pense, la façade en pierre que je viens d'acheter. Il va falloir attendre un petit peu pour le voir, c'est dommage, mais c'est là que c'est le mieux. C'est quand on attend et qu'on fait la découverte. J'ai trop hâte, moi, pour ma part. J'espère que je pourrai bien récupérer tous les objets, normalement oui, hein. Il va y avoir coquillage, il y a toujours coquillage. Ah, il ne veut pas se ramasser ce coquillage, il est bugué. C'est pas grave. Il rapporte 2, donc si on ne l'a pas, on devrait survivre. Ah ben, ils sont tous buggés aujourd'hui, les coquillages, dis donc. Alors, est-ce que toi, tu aurais poussé? Oui. Du coup... Il lui en faut 5 à lui, on a dit, il reste 6 jours. À l'heure actuelle, je peux en faire 3. On devrait pouvoir lui faire son objectif, je pense. Puisque j'en ai planté devant la maison, devant l'atelier. Il y a juste à attendre que ça pousse. Mais papillon, mais tout, il est bugué ici ou quoi? Ah! Lâché. On reviendra, on va planter de toute façon des fleurs, donc on est juste à côté. C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à ramasser. C'est pas un bug. C'est Zabou le bug. Alors ici, on a dit on aura ma petite maison. Alors moi, je veux décorer ma petite maison. J'ai acheté des graines de fleurs. On va les mettre. Non. On va mettre les rouges ici. Est-ce que je les mélangerai? Je vais les mélanger. Je vais mettre rouge au milieu et les brunes sur le côté. Voilà. Les marrons, pardon. Comme ça, on peut déjà commencer à installer tout doucement un petit peu des choses. On aura un joli petit terrain. Alors, je sais pas si après on peut redéplacer un bâtiment ou pas. Je pense que oui. Voyez, les coquillages se ramassent maintenant. Hein. Puisque j'ai ce qu'il faut. J'ai de la place.
J'en ai plus déjà? Pourquoi? J'ai utilisé des... Ah bah oui, j'ai ramassé le coquillage et le reste. Alors, est-ce que j'ai des choses à vendre? C'est pas le problème. On va y aller tout de suite. Et on va se finir tranquillement cette petite journée qui vient de commencer. En essayant de gagner un petit peu d'argent. Donc, vous l'avez vu, on va essayer d'installer ma maison. Et ça, c'est génial. Avant d'essayer de prendre quoi que ce soit ici, je vais aller vendre. Hein, parce que... En tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte. Ah non, je vais te parler à toi, Moss. Oh, pire, c'était un le... qui coûtait. Les fleurs jaunes, je pouvais m'en servir, je sais plus pourquoi. Je sais pas si je vais les garder pour l'instant, parce qu'il y en aura plein qui vont sortir. Elles prennent de la place, on est d'accord. C'est là, comme j'ai gardé un sol et un mur, bah forcément j'ai moins de place sur moi que d'habitude. J'ai les verres en plus, je peux pas faire de stockage, enfin voilà, plein de choses. On va les vendre. Voilà. Comme ça on peut aller se faire un peu de papillons. Et j'aurais voulu aller voir si on avait le plan de la table pour préparer bah, soit une petite table, soit quelque chose pour mettre soit dehors ou... Alors là, j'ai ma chaise que j'avais faite. Je vais voir si... Oh, j'ai cueilli encore une fois des fleurs. À chaque fois, je fais le coup ici. Pourtant, c'est pas le même bouton, mais... Je le range dans mon sac. Je crois que normalement, je peux le dupliquer. On va aller voir ça. Alors, hop. Fabriquer copie. J'en ai deux dans le sac, du coup? Oui. Oh, ça, c'est top. J'irai me faire du bois en off aussi. Hein. On va refaire une copie. Ah, il manque une planche. Ah, c'est bien ça, une fois que vous avez un objet sur vous, fabriquez copie. Nickel. Alors je vais aller reposer la planche, qui est une table, une chaise, ici. Ça c'est mes travers Animal Crossing hein, qui me font encore essayer de me mettre où il faut. Et on va mettre bah, deux petites chaises devant chez nous là-bas. Et d'abord, j'ai vu le papillon rouge, et le papillon rouge, il vole de l'argent. On va faire un petit tour avant d'aller les poser. Et du coup, bah, je vais avoir des fleurs à vendre, puisque je les ai cueillies. Elles sont jolies, hein. Ici, je les ai un peu trop entassées au même endroit, mais... Bon, je changerai la position hein, plus tard, c'est pas grave, ça. Bon, moi, je sais où elles sont... J'avais essayé, je crois, de prendre une jardinière, mais on peut pas. Enfin, je peux pas la dupliquer, c'est dommage. Puisque j'ai pas le plan. C'est bien, bien dommage. Alors, on va aller placer les chaises près de ma maison. Restera à voir si je les laisse dehors ou si elles vont aller dedans. Tout dépend de ce qu'on va me demander de mettre à l'intérieur. Et du coup, je pense qu'on va essayer de se faire la prochaine fois une petite table. Ça peut être sympa aussi hein, de se faire une genre de petite terrasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis où là? Ah! Regardez si on n'est pas bien là. Assis devant notre maison en construction avec des petites chaises. Il manque clairement une table, on est d'accord. Mais on est pas mal. Pas mal du tout, même, je dirais. Hein.
Je vais aller de l'autre côté. Ouh, attendez. Je vais aller recouper les sapins de l'autre côté pour récupérer encore du bois. Si vous avez vu le nombre de planches qu'on me demande pour un objet, il vaut mieux que j'en ai en avance. Je peux avoir des planches et pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est du coup si vous réussissez un objet du premier coup, et comme on peut toujours le ramasser, même à quelque endroit qu'il soit, c'est super intéressant parce qu'au final, vous pouvez du coup retourner le refaire sans avoir à faire la manip. Et ça, c'est classe. Bien sûr, faut l'avoir sur soi par contre. Sinon, ça marche pas. Mais après, je trouve ça vraiment sympa. C'est-à-dire que si vous avez un objet que vous créez facilement, comme les petites chaises là, vous pouvez en mettre partout. Vous embêtez pas, vous le mettez dans la poche et hop, c'est parti. Non, là, c'est pas parti du tout. Bah, décidément, j'ai du mal à planter ce que je voudrais. Hein. Bon, elle est où cette herbe que je veux remettre par terre là? Hop, voilà. Hop. J'aime bien ramasser les choses, moi, apparemment. Alors, herbe. On va faire comme là, on va les mettre le long. Alors, voyons, on s'ennuie pas. Hein. Il y a toujours des choses à faire et j'arrête pas de me tromper. Je sais pas pourquoi je veux appuyer sur ce bouton alors que c'est pas là que ça s'ouvre, mais... On ne s'ennuie jamais. Et on peut repenser un petit peu déjà tout l'univers qu'on a devant nous, ça c'est classe. Pareil, toutes les herbes, je peux les ramasser, les mettre au même endroit. Mais là, je les regarde comme ça, parce que ça fait un petit peu sauvage pour l'instant. Hop! Alors j'espère que très vite on pourra aller derrière, c'est-à-dire aller plus loin encore sur la map pour voir ce qui est censé y avoir une mine et tout, c'est ce que les villageois nous ont dit en tout cas. Donc pour l'instant on n'a pas. Donc on résume, on a installé une nouvelle maison aujourd'hui. On a acheté déjà en prévision du parquet, on a acheté en prévision une façade. On va aller voir notre copain, là. Donc, on a acheté une façade, on a acheté du parquet. On n'a plus qu'à attendre la construction de la maison. Et en attendant, eh ben, on se fait un petit peu de sous. Je vais juste aller vendre ce qui me reste en inventaire. Du coup, bah, j'ai des fleurs, puisque je les ai malencontreusement cueillies. Vous voyez, là, on a le mur épais, de pierre épais, pardon, et le parquet. J'espère qu'on aura une jolie jolie maison. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut vendre pour aujourd'hui. Alors les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on a vu la préparation de l'arrivée de la maison. Je vais continuer en off pour me faire des sous un petit peu. Et dès que la maison sera prête, promis, je reviens en vidéo pour qu'on découvre tout ça ensemble. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus et plein de commentaires, à vous abonner à la chaîne, notre deuxième chaîne et notre chaîne Twitch. Et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.